Si le monde entier commence à entendre parler des studios de développement de jeux vidéo de Belgique, le territoire possède aussi plusieurs équipes travaillant sur des jeux au format réalité virtuelle, dont on parle moins. Nous avons pu rencontrer plusieurs membres du studio Cyborn, un studio belge spécialisé dans la VR, qui nous ont parlé de leur travail. Les membres sont attirés par les spécificités de ces nouvelles technologies et par la magie que peut produire un bon jeu immersif. Le studio a travaillé sur plusieurs jeux, dont quelques gros AAA en tant que studio de soutien, comme sur le récent Horizon Call of the Mountain. Avec cette nouvelle pratique, Cyborn y voit un marché qui a du potentiel. L'équipe estime qu'il s'agit d'un investissement d'avenir. De plus, le marché étant encore jeune, les petits studios ont encore la sensation de faire bouger les choses et d'avoir un véritable impact avec leur production modeste. Les membres du studio se sont également confiés sur la difficulté de développer un jeu en réalité virtuelle. The biggest challenge is definitely the player freedom. The fact that any player can just walk anywhere, go anywhere, move his hands anywhere and touch anything, interact with anything, that poses a lot of gameplay issues. And it's also like the expectations of people. People are used to flat games or mobile games. So if they have a mobile VR headset, they expect mobile quality, but we can't deliver that because we're rendering two screens, it's VR. And the same for flat games, we can't reach the same quality as we can do for just flat desktop games, pure graphically. On top of that, there's like the expectation of people to being able to interact with anything, to be fully immersed, like everything they see, they think it should be interactable. A character, you should be able to high-five it, to push it, to almost even tackle it and have it be mad at you or something. The expectations are quite high, and it's because the players feel the potential as well, I think. Malgré leur foi en ce marché qui grandit doucement mais sûrement, l'équipe aimerait que la technologie soit plus accessible, sans quoi le marché ne pourra pas trop grandir. Cyborn se montre tout de même optimiste grâce aux ventes et au bon retour d'Ubris, leur dernier jeu. Le studio est déjà au travail sur leur prochaine production et compte bien exploiter cet univers à nouveau dans de futurs titres VR.